Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle espèce que j'ai reçue. C'est une espèce incroyable qui tisse des genres de toiles d'araignée pour fabriquer son nid. Alors c'est vraiment une grosse surprise, hein. J'espère que tu vas kiffer la vidéo et je te laisse de suite avec le début. C'est parti! Rejoins-nous sur Discord. Et comme vous voyez en image, donc nous sommes en présence de cette magnifique espèce de fourmi, les Polyrachis dives, ou dives pour les puristes, je ne sais pas exactement la prononciation, mais en tout cas c'est une magnifique fondation, et dans celle-ci nous avons trois reines. Regardez, elles sont juste ici. Vous les verrez mieux sur la vidéo juste après, on les verra bouger. Mais donc c'est une belle fondation avec trois reines, hein, et on dirait environ entre 40 et 45 ouvrières, je dirais comme ça, à vue d'œil. Et comme vous le voyez, dans le tube, c'est très très serré, hein. On se croirait un peu dans les bouchons, dans une grosse population, en Thaïlande, leur pays d'origine, justement. Donc on va vite changer ça et on va leur mettre une petite boîte. Donc vraiment un truc basique pour commencer, puisqu'il n'y a pas besoin de plus, hein, et je leur réserve quelque chose d'incroyable. Donc vous voyez, je leur ai une petite blatte, et en quelques secondes, hein, il y avait déjà quelques ouvrières qui étaient là pour goûter ça. Donc c'est vraiment une espèce qui est hyper active, et ça va être un des plus gros projets de la chaîne, je pense. Je vais leur faire un méga terrarium. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, leur terrarium va vraiment être un grand grand terrarium. C'est un beau projet que j'ai en tête, et je leur réserve ça. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est pas une grande espèce, mais par contre, elle est vraiment magnifique, hein. Elle a le gastre un peu vert doré, c'est vraiment incroyable. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc c'est une espèce tisserande, donc c'est-à-dire qu'elle fabrique des nids en tissant des toiles avec les larves. Donc c'est assez impressionnant à voir, et en tout cas en terrarium, ça doit être vraiment magnifique à observer, hein. Je voulais également vous remercier pour les bientôt 1000 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir et sachez que le concours des 1000 abonnés va bientôt arriver. J'attends encore quelques temps qu'on arrive réellement à cette barre symbolique et je vous prépare quelque chose de vraiment vraiment cool. Donc n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on reparle de suite du coup de cette magnifique espèce, donc les Polyrachis dives. Donc c'est pas une grande espèce, hein. Comme vous voyez, la gine mesure environ entre 8 et 10 mm. Donc c'est pas une grande espèce, et les ouvrières, elles, plutôt entre 5 et 8 mm. Donc comme vous voyez en image, hein, elles sont pas grandes, mais par contre elles sont assez voraces, hein. Elles dévorent cette blatte, vraiment, elles adorent ça, quoi. Et dès que je leur mets de la blatte, elles viennent comme ça à plusieurs pour se nourrir, donc c'est vraiment cool, et je pense qu'en terrarium ça va vraiment être sympa à observer. Voilà, c'était une petite vidéo très très courte, mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion de les revoir. J'espère que vous avez apprécié. Et tenez-vous prêt pour le concours, ça arrive très très prochainement sur la chaîne. Lâchez un gros commentaire comme d'habitude et un pouce bleu pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut à tous.